Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Couesnon Marche de Bretagne. Je vais vous présenter deux coups de cœur en DVD. Le premier, c'est la mini-série britannique et américaine qui s'appelle Tchernobyl. Comme son nom l'indique, ça parle donc de la catastrophe nucléaire qui est arrivée en Ukraine le 26 avril 1986. Donc voilà, c'est un petit peu comme Titanic, on sait que ça va pas très bien se passer, hein. Voilà, on sait déjà l'enjeu, on sait qu'il va y avoir cette explosion nucléaire. D'ailleurs, dans la série, ça arrive dès le premier épisode et ça nous met vraiment sous tension. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est qu'on voit tout le cheminement, toutes les erreurs humaines qui ont été faites pour arriver à cette problématique, et aussi comment ils vont essayer de résoudre, enfin en tout cas de limiter un petit peu la casse, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est vraiment une série qui est très intéressante. C'est, comme je disais, c'est une série américaine et britannique, donc vous pouvez l'écouter, vous pouvez le regarder en version originale. Moi, ça m'a permis de mettre un petit peu de distance, le fait que ce soit en anglais et pas en russe. Voilà, et c'est vraiment une série que je recommande chaudement. Voilà, donc ça c'est la première chose. Le deuxième chose, c'est Hors Normes. Donc là, on change complètement d'univers. Je l'ai mis en histoire vraie, j'aurais aussi pu le mettre en comédie. C'est une comédie, mais dramatique. Hein. Voilà, on rigole, mais aussi on est ému. Donc c'est un film très récent aussi, hein, qui est sorti l'année dernière, de Nakache et Toledano, qui avait fait précédemment Intouchable et tout un tas d'autres films très sensibles. Donc c'est, ça raconte l'histoire de deux éducateurs qui travaillent avec des personnes autistes, voilà, donc sont joués par Vincent Cassel et Reda Kateb, et c'est très documenté. C'est pour ça que j'ai mis en histoire vraie, c'est que ça retrace l'histoire et le vécu émotionnel que peuvent ressentir deux éducateurs qui existent vraiment et que connaissent Nakache et Toledano. Voilà, ce sont des amis à eux qui sont responsables de deux associations. Donc il y a Le Regard des Justes et la deuxième association dont j'ai oublié le nom, voilà, qui travaille en Île-de-France avec des personnes autistes sévères et qui tentent tant bien que mal de les accompagner dans l'autonomie et de soulager aussi leur famille dans la prise en charge de ces jeunes. Voilà, donc le titre Hors Normes est intéressant parce que voilà, ça pose la question de ce qui est la norme. Est-ce que c'est le fait de ne pas être handicapé qui est la norme, ou est-ce que c'est finalement le traitement des services administratifs qui fait que c'est, voilà, que c'est anormal, enfin le traitement est peut-être anormal en fait, voilà. Et aussi, quelque part, ça valorise le côté hors norme de ces associations et de ces personnages d'autistes sévères qu'on rencontre, avec lesquels on a beaucoup de plaisir à passer ce moment. Ce qui est sympa dans le fait de le regarder en DVD, c'est que vous avez en bonus le making-of, et que c'est vraiment chouette de pouvoir voir le travail qui a été fait avec les autistes qui jouent dans le film. On voit aussi le travail d'un jeune acteur voilà, qui n'est pas autiste dans la vie, mais qui est vraiment sensationnel. Voilà. Donc deux acteurs excellents aussi, Vincent Cassel et Reda Kateb, que je, voilà, un deuxième gros coup de cœur de cette saison. Merci.